J'attends vos réactions, vos questions sur ma page Berger Gloudi. Il y a une blogueuse nigériane, elle est millionnaire aujourd'hui. Blogueuse, millionnaire. Alors pourquoi ne pas toi aussi commencer au lieu de dire j'ai déposé mes CV, mais crée un blog. Chaque jour tu écris. Nous sommes devenus des textomaniens. Avec seulement tes messages, moi des fois je le fais, hein. Avec seulement la conversation que j'ai avec une personne, je transmets cela en texte public. Moi, je sais comment je vais faire ça. Il faut réfléchir dans la vie. Il faut réfléchir. Vous parlez seulement des conversations, ça ne te donne rien. Avec tes textes sur WhatsApp, avec les textes, même nos échanges, tu peux prendre cela, tu changes cela, il y a une manière. Il y a plein de choses que j'ai à dire sur cette formation. Je pense qu'on aura du temps. Je pense vraiment qu'on aura du temps. Tu peux changer cela et tu gagnes des langes avec la conversation d'une personne. C'est ce que cette blogueuse faisait au Nigeria. Elle, en anglais, on dit gossip. Exactement ce que Karim Mokodi fait. Mais pourquoi l'autre est devenu millionnaire, l'autre n'est pas devenu millionnaire? C'est la stratégie. Parce que Karim Mokodi peut-être naturellement, parce qu'elle est sociable, et maman, l'autre affirmée, maman Blondie affirmée, naturellement parce qu'elle est sociable, quand elle se réveille, elle a la facilité. Il y a d'autres personnes qui le font, peut-être avec ignorance, mais c'est toujours du community manager. Et pour en profiter au maximum, ce n'est pas par ignorance. Il faut savoir que je suis en train de faire ça. Vous voyez? Pour que je puisse avoir la sollicitation de plusieurs pays. Avant, j'avais un marché, c'était même pas sur cette page. Après, j'ai eu plus de marchés parce que les gens me connaissaient. Mais c'était une seule fois seulement. Ça a commencé avec les 300 dollars là. Mais dès lors que j'ai commencé à comprendre ce qu'on fait vraiment en tant que professionnel, j'ai commencé à avoir plus de sollicitations. Quand tu connais, tu as plus de sollicitations. Quand tu ne connais pas, tu as moins de sollicitations. C'est la raison pour laquelle Karim Mokodi n'est pas millionnaire, alors qu'elle n'est pas devenue millionnaire. Sois parti du Nigeria pour une blogueuse. Elle n'est ni actrice, ni journaliste, même pas. Je ne sais même pas si elle a fait du journalisme. Mais elle est devenue millionnaire parce qu'elle s'est formée. Même auto-formée, mais elle s'est formée. Allons-y maintenant au Cameroun. Au Cameroun aussi, il y a plusieurs personnes qui font ça, mais je donne des exemples que j'ai vus, des exemples que j'étudie. Au Cameroun, il y a un docteur. Il a étudié la médecine, il est devenu docteur, mais c'est pas qu'il est passionné de la médecine, non. Il disait la fois dernière, c'est pas tout le monde qui est un médecin, faut forcément avoir peur de cette personne. Il y a d'autres personnes qui le font seulement parce que papa a l'argent et papa voulait que je sois médecin. C'est pas qu'il aimait, il a même écrit des livres, comment il décrit, comment même ses professeurs l'insultaient parce que lui vraiment, lui-même il s'est dit à lui, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais il est aussi médecin.